Amen. J'aimerais ce midi que nous puissions ouvrir nos Bibles dans la première épître de Paul aux Corinthiens avec ce que nous avons après le service. J'espère que je veux probablement juste m'introduire ou parler juste dans un point et nous continuerons désormais dans cette nouvelle série pour un peu de temps. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Voyez-vous, notre objectif en tant qu'Église, ce n'est pas de nous pousser, n'est-ce pas, être en mouvement, à bouger, et à la fin, on n'a pas saisi, ou on ne comprend pas la parole de Dieu, ou on n'agit pas, on ne vit pas ce que Dieu veut que nous soyons. Notre objectif, ou l'objectif de la parole de Dieu, c'est de nous édifier, de nous enseigner, de nous former, afin que nous soyons assis réellement dans la foi. Amen. Et que même là où nous sommes, là où nous évoluons, dans nos maisons, dans nos milieux de travail, d'études, eh bien, que nous puissions refléter réellement l'image de notre Seigneur. Quelqu'un dit amen. Et c'est pour cela, j'aimerais que nous lisions, avant que je nous annonce, c'est quoi le titre? Le titre sera juste dans ce que nous allons lire, et vous allez bien le constater, nous allons parler dans ces concepts que nous allons lire. 1 Corinthiens chapitre 1er, je vais lire à partir du verset 26, donc 1 Corinthiens 1, 26 à 31. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Ce que nous avons trouvé. La Bible nous dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. » Quelqu'un dit « fait pour nous ». Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Enfin, comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. L'apôtre Paul énonce quelque chose de capital ici, de très grand, de très important. Il dit « Christ a été fait pour nous, pas pour les anges, amen, pas pour les démons, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été fait pour nous ces quatre choses. » C'est sur ces quatre choses que j'aimerais parler pendant un moment, amen. Vous êtes avec moi? Je voudrais parler pendant un moment sur ce que Christ a été fait pour nous. La Bible nous dit ici qu'il a été fait pour nous, premièrement, sagesse. Deuxièmement, justice. Troisièmement, sanctification. Et enfin, rédemption. Quatre choses, quatre éléments
que chaque enfant de Dieu devrait comprendre et essayer de les vivre dans sa propre vie. Il dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Est-ce que nous pouvons d'abord citer vraiment ces quatre points? Citons ensemble ces quatre points. Sagesse, allons-y. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Ces quatre choses sont vraiment un concept important et capital pour la vie de chaque enfant de Dieu. Et je m'attarderai aujourd'hui, dans le temps que nous avons, sur le concept sagesse. Christ a été fait pour nous sagesse. Mais avant cela, j'aimerais que vous compreniez d'abord les fondements même, la raison pour laquelle l'apôtre Paul était en train d'écrire à cette église des Corinthiens. Amen. L'apôtre écrit à cette église des Corinthe parce que, en effet, c'était une église, si vous lisez l'épître aux Corinthiens, que ce soit la première et la deuxième, l'église des Corinthiens, c'était une église qui rencontrait beaucoup de problèmes. Elle avait en son sein beaucoup trop de problèmes. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'elle n'avait pas que des problèmes, mais elle avait aussi beaucoup de grâce. Quelqu'un dit amen. L'église de Corinthe avait beaucoup de problèmes, je vous assure. Je vais déjà anticiper pour dire, si vous pensez que les problèmes dans les églises ont commencé aujourd'hui, vous vous trompez. Amen. Les églises n'ont pas, les problèmes dans l'église de Jésus-Christ n'ont pas commencé. Aujourd'hui, c'est des problèmes qui ont commencé depuis longtemps et qui persisteront, qui seront là jusqu'à ce que l'église sera enlevée. Combien savent que l'église sera enlevée? Et quand nous parlons de l'enlèvement, nous ne parlons pas de ces murs ou de ce bâtiment, c'est toi et moi qui constituons l'église. Disons amen. C'est toi et moi, l'église c'est toi, l'église c'est moi, tel que nous sommes là, parce que le mot église vient du terme grec ecclésia. Ecclésia, c'est une racine, c'est un mot qui a deux racines, ek et kaleo. Ek qui signifie en dehors. C'est là que vous avez le mot français ex, n'est-ce pas? Ça veut dire en dehors, quelque chose qui est du dehors, qui est passé. Kaleo qui signifie être appelé. Ça veut dire l'église, c'est le mot ecclésia veut dire tout simplement être appelé du dehors. Vous savez, nous ne pouvons pas vivre l'église si nous ne comprenons pas ce qu'elle est réellement. Nous ne pouvons pas vivre la foi chrétienne si nous ne comprenons pas ce que réellement le Seigneur Jésus, qui en est le fondateur par excellence, veut que nous sachions et que nous comprenions. Ça veut dire que l'église est un rassemblement des gens qui sont appelés du dehors. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen. Donc si tu es membre de l'église, tu fais partie à un groupe de gens qui est appelé en dehors du monde, qui est appelé à sortir du monde pour venir vivre une vie totalement différente de ce qui se fait dehors. Oh, quelqu'un dit amen. C'est ça le concept église. Donc dès qu'on dit déjà église, c'est la raison pour laquelle Jésus a parlé. Il dit, je bâtirai mon église. Jésus a dit aux disciples, il dit, en s'adressant beaucoup plus à Pierre, parce qu'il leur a demandé, il a dit, qui dites-vous que je suis? Qui dit-on d'abord que je suis, moi, le Fils de Dieu? Les gens ont dit, il y en a qui disent que tu es Élie, le prophète, d'autres Jérémie, d'autres Jean-Baptiste, etc., ou l'un des prophètes. Et puis Jésus leur a dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Ils ont répondu, Pierre a répondu, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a trouvé par cette déclaration qu'il devait dire à Pierre, et toi, tu es Pierre. Et j'ai dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, ce n'est pas Pierre en tant qu'humain sur lequel Jésus devrait bâtir son église. Les gens confondent, ils pensent, même si vous nommez les églises cathédrale Saint-Pierre, même si vous combinez cathédrale Saint-Pierre et Paul, ça ne veut rien dire. Amen. Même si on combine, on cumule, on met même les trois, cathédrale Saint-Pierre, Paul et Jean.
Pour le diable, ça ne signifierait rien. Jésus parlait, n'est-ce pas, de l'appui, de la confession que l'apôtre Pierre venait de déclarer, de dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Et Jésus a dit, sur cette pierre, sur ce fondement, je bâtirai mon Église. L'Église est bâtie sur le fondement de la déclaration de ce que Jésus-Christ est pour nous. Quelqu'un dit amen. Si tu ne comprends pas ce que Jésus est pour nous, bien-aimé, ça veut dire que ta foi peut être ballottée. Tu es encore dans le monde, tu n'as pas encore été appelé du dehors pour entrer et faire partie de Christ. Quelqu'un dit amen. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul commence à écrire à l'église de Corinthe. Et parce qu'elle traversait tellement beaucoup de problèmes. À titre d'exemple, si vous lisez calmement l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, vous allez rencontrer des problèmes tels que cette église, comme je l'ai dit, elle avait des problèmes, mais elle n'avait pas que des problèmes. Elle avait aussi des grâces. C'est comme dans nos vies. Dans nos vies, nous n'avons pas que des problèmes. Mais l'ennemi nous voile les yeux, nous bande les yeux. Nous commençons à nous focaliser plus que sur les problèmes. Pourtant, il y a aussi des bonnes choses que nous avons. Il y a aussi tant de grâces que Dieu nous a données. Je voudrais te rappeler, tu n'as qu'à avoir dans ton cœur un temps où tu t'arrêtes, tu te dis, aujourd'hui je vais d'abord compter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Mais le diable voudra te bander le visage pour te dire, tu vois, compte un peu, depuis que tu as accepté Jésus, depuis que tu marches avec lui, qu'est-ce que tu as eu? Et là, toi aussi, tu vas te laisser prendre par cette hameçon de l'ennemi du diable. Tu commences à penser que Dieu n'a rien fait pour toi. J'aimerais te rappeler, Dieu a beaucoup fait pour toi. Dans la vie, dans nos vies, nous n'avons pas que des problèmes. Nous avons aussi des grâces. Je voudrais dire que moi, dans ma vie, je n'ai pas que des problèmes. Oui, les problèmes, j'en aurai. Parce qu'à partir du moment où tu as mis la main à la charrue pour marcher avec le Seigneur, n'espère pas que tu n'auras pas de problèmes. Si tu n'auras pas de problèmes avec le diable, tu en auras avec les membres de ta propre famille. Si tu n'en auras pas avec les membres de ta propre famille, tu en auras avec les gens de ton travail. Si tu n'en es pas avec les gens de ton travail, tu en auras même avec les membres de ton église. Ah, quelqu'un dit amen. Si tu n'en auras pas avec les gens de l'église, tu en auras même avec des gens qui sont au loin. Combien savent que les problèmes nous suivent partout? Il y a des problèmes partout, mais il n'y a pas que des problèmes partout. Il y a des problèmes même en nous-mêmes. Aïe, 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 aïe. J'ai dit qu'il y a des problèmes même en nous-mêmes. Tu es assis là-bas ou assise, mais il y a un combat, il y a une lutte en toi-même. Peut-être déjà la lutte a commencé dès la maison. Aller n'est pas aller, aller n'est pas aller. Prier n'est pas prier, prier n'est pas prier, adorer n'est pas adorer, chanter n'est pas chanter. C'est déjà un problème, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Quoi m'habiller? Ces costumes, non celui-ci, celui-là, non celui-ci, celui-là. Non. Quel chemin même prendre? Des fois vous vous retrouvez, vous coincez dans un coin parce que vous n'avez pas su décider quel chemin prendre. C'est déjà un problème dans ta propre vie, en toi-même déjà. C'est que les problèmes, hein, il y en a. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous n'avons pas que des problèmes. J'aimerais te rassurer, partout où tu es, partout où nous serons, il n'y aura pas que des problèmes, il y a aussi des grâces. Hein, comme l'église de Corinthe, alléluia. Elle avait des problèmes, mais il y avait aussi beaucoup de grâces. C'est la raison pour laquelle vous voyez que l'apôtre Paul a écrit en résolvant beaucoup de problèmes. Mais à la fin, les grâces aussi étaient tellement nombreuses. Dans l'église de Corinthe, on rencontrait toutes les 9 grâces, les 9 dons du Saint-Esprit. Quelle merveille! C'est vrai ou ce n'est pas vrai? On rencontrait tous les dons. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, par leur église, nous avons la révélation des 9 dons qui existent du Saint-Esprit. Amen. Il y avait des problèmes du genre division, n'est-ce pas? C'était dans l'église de Corinthe. Les gens aimaient s'approprier des tendances. Si vous lisez dès le début, l'apôtre commence à adresser déjà ces problèmes. Il dit, pourquoi parmi vous, il y en a qui disent, moi je suis de Paul, d'autres disent, moi je suis d'Apollos, d'autres disent, moi je suis de Céphas, d'autres disent que moi je suis de Christ. Il dit, est-ce que Christ est-il divisé? Amen. Donc, il y avait ces grands
problème au niveau de l'église. Vous allez trouver dans l'église de Corinthe, il y avait un problème sérieux d'adultère. Quelqu'un dit adultère. Il y avait un problème sérieux d'adultère au point qu'il y a même un monsieur qui était dans l'église avec le couple de son père et sa marâtre, et lui, il commençait à sortir, à aller avec la femme de son père dans l'église. Amen. Quand Paul a appris ça, il dit, pour moi avec vous en esprit, si j'étais là sur place, une telle personne, je prendrais directement, je livre à Satan. Amen. Pour que son corps périsse, mais que son âme peut-être puisse trouver grâce auprès de Dieu et être recueillie. Mais que du moins, que son corps soit livré à Satan. Parce que c'était une abomination. Vous savez, il se passe des choses dans la vie des gens qui sont incroyables. Même dans, ça, j'ai trouvé même dans la famille de Jacob. Oh, amen. Lisez bien la parole de Dieu, vous verrez. Ruben, fils de Jacob, n'a pas eu la prééminence, n'a pas eu la bénédiction en tant que fils aîné de Jacob. Parce que Jacob, quand il commence à bénir ses enfants, il dit, Ruben, tu n'auras pas la prééminence parce que tu es monté, n'est-ce pas, sur la couche de ton père. Bien-aimé, le temps est arrivé où en tant qu'enfant de Dieu, nous devons considérer attentivement nos voies. Parce qu'il y a des choses, bien que les grâces soient là, mais il y a des choses que certaines personnes peuvent être en train de faire dehors, qui bloquent la main de Dieu dans leur propre vie. Et Dieu devient celui qu'il faut blâmer. Pourtant, Dieu a déjà donné tous les principes, nous les avons dans la Bible. Quelqu'un dit amen. Suivez-moi bien là où je vais. Il n'y avait pas que ces problèmes dans l'église de Corinthe, il y avait même des problèmes d'ivrognerie. Amen. Vous imaginez, nous pouvons être là comme nous sommes rassemblés là, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se réunissaient pour manger. Avant de célébrer la Sainte Cène, ils le faisaient soit avant, soit après. Avant la Sainte Cène, dans les églises du 1er siècle, avant la Sainte Cène avec la communion fraternelle, on devait d'abord manger. Amen. Comme nous sommes là, nous venons avant la Sainte Cène, nous mangeons. Quelqu'un dit manger. On mange bien, on mange et on boit très bien. Et après, maintenant, on fait quoi? On célèbre la Sainte Cène. Ou vice-versa, soit on commence par la Sainte Cène, on célèbre d'abord la Sainte Cène et la suite, oh là là. Et là, vous savez qu'ils célébraient la Sainte Cène avec le vin. Quelqu'un dit vin. Le vin. Amen. J'ai dit seulement le vin et je passe. Le vin. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont commencé à faire, soit ils mangent et après ils boivent du vin et ils font quoi? Ils s'enivrent. Des chrétiens ivres. Vous imaginez, après, comme nous sommes là, il y a des frères et des sœurs assis là-bas dans les chaises, là, ivres. Est-ce que Dieu va se glorifier? L'apôtre Paul, quand il apprenait toutes ces choses-là, eh bien, ça lui faisait mal au cœur et il devrait leur écrire. Il y avait des problèmes de gens qui s'amenaient en cours, dans des cours et tribunaux. Amen. Un frère a un problème avec un autre frère et Il juge, bon, au lieu de s'asseoir, régler le problème, bien aimé, mais ils vont se porter plainte. L'autre va porter plainte à l'autre et ils vont aller comparaître dans des tribunaux devant les païens. Les païens commencent à juger les chrétiens. Pour Paul, c'est un scandale. Ça, c'est une honte. Chrétien avec chrétien, vous devriez être capable et en mesure de vous asseoir et d'en parler. Et quelqu'un dit amen. Même jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, chrétien avec chrétien, s'il y a des gens qui devraient être des experts à résoudre les problèmes, ça devrait être toi et moi. Ça devrait être nous les chrétiens. Quelqu'un dit amen. Nous devrions être des experts dans la résolution des problèmes. Mais je vais nous dire pourquoi. Amen. Pourquoi nous n'avons pas ça? Ils commencent, n'est-ce pas, à se porter plainte les uns contre les autres et à aller comparaître un frère ou une sœur avec une autre sœur. Ils vont devant les tribunaux, devant les païens qui commencent à les juger. Ça devient une honte, n'est-ce pas? Est-ce que ces choses n'existent pas jusqu'à aujourd'hui? Des fois, il y a des chrétiens, même, ils sont en conflit et il y a des païens qui commencent à dire, mais bon, on semble qu'on a l'église de mon côté. Ça veut dire que vous priez dans une même église, non? Pourquoi vous n'êtes pas capable de vous asseoir et de régler
vos affaires. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, nous devons être capables de régler nos problèmes. J'ai dit ceci, aide-moi à dire à quelqu'un, nous devons être capables de régler nos problèmes. Même dans les foyers, dans les familles, dans les mariages, un mari et sa femme doivent être capables de s'asseoir et de régler leurs problèmes. Les parents et les enfants doivent être capables de s'asseoir et de régler les problèmes. Vous êtes mort si vous n'êtes plus capable de vous asseoir et de régler les problèmes que vous avez. Encore une fois, comme je l'ai dit, voilà, il n'y a pas que des problèmes, mais il y a aussi des grâces dans nos vies. J'en ai déjà cité la plus grande des grâces. Bien-aimé, enfin, je ne voudrais pas m'étaler sur tous ces problèmes, mais je voulais juste dire aussi une chose, c'est que dans cette église, il y avait aussi le problème de la magie et de l'idolâtrie. Amen. Un grand problème dans l'église de Corinthe. Quand il y a la magie, ça veut dire qu'il y a la sorcellerie. Suivez-moi bien. Amen. Quand il y a la magie, ça veut dire qu'il y a la sorcellerie, la magie et l'idolâtrie. Paul n'est pas agité pour ça. Paul est capable de prendre seulement sa plume et son parchemin et écrire, adresser ses problèmes à l'église pour dire que vous pouvez résoudre ça. Parce qu'il veut dire que les magiciens, les sorciers ne sont pas au-dessus de notre Dieu. Disons amen bien fort. Un enfant de Dieu ne doit pas être agité. Même si on te disait que ce soit dans les bus, que ce soit dans l'église, que ce soit dans ta famille, que ce soit je ne sais où, on te dit que la personne qui est assise à côté de toi est sorcier ou magicien. Tu ne devrais pas être agité, sois tranquille. Amen. Ou alors ton Dieu n'est pas Dieu. Parce que si toi, tu dois être agité et le magicien ou le sorcier est tranquille, ça veut dire que toi, tu ne connais pas ton Dieu, lui, il connaît son Dieu. Amen. Aïe, 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 quelqu'un dit amen. Mais un enfant de Dieu fort et puissant et stable devrait être capable que tu sois là, à gauche ou à ma droite. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils tomberont 1000 à ta droite et 10 000 à ta gauche et toi, tu ne seras pas atteint. Qu'il soit là, à gauche ou à droite, je n'ai pas à me trembloter. Je suis là. Qu'il soit à l'appartement de gauche, à l'appartement de droite, à la maison de gauche, à la maison de droite, à la maison du devant, à la maison du derrière, il est en train de trembler de la puissance et de la force qui émane de moi. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le dire. Amen. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le dire, mais sentir quelque chose, hein? Il le sent. Il le sent. Disons amen. Amen. Je vous dis vrai, sentir quelque chose. Si le sorcier est à côté de toi, sentir quelque chose, il fait quoi? Il sent. Amen. J'ai le témoignage de mon propre père biologique. Je vais juste le dire rapidement. Il me racontait une histoire qui était, quand il était en vie, qui était très, je dirais, une histoire très intéressante. Il travaillait dans une entreprise à l'époque. Il travaille et chaque matin, quand il va, il allait au travail, il y avait un papa. Il y avait un papa qui le regardait, plus âgé que lui. Il regarde, il secoue la tête, il dit, pour les enfants actuels. Alors lui, il entendait chaque fois dire ça. Demain, il part, il revient, il le regarde. Mon père ne comprenait pas, nous disait-il. Alors, un jour, le monsieur a réuni son courage. Il dit, viens, père. Mon père l'approche et dit, dis-moi, père, toi, où est-ce que tu es allé prendre ça? Mon père qui lui dit, prendre quoi? Il dit, ce que tu as là, dis-moi, il ne faut pas me cacher, dis-moi. Dit, prendre quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, toi, j'ai visité ta maison la nuit. Alors, mon père commence à dire, ah bon? Il devient intéressé maintenant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai visité ta maison. Toute ta maison en fait comme ça. Où est-ce que toi, tu as eu ça? Mon père a rigolé, dit, ah! Donc toi, tu as visité ma maison et tu l'as vue, hein? En feu. Ah, je vais te dire ce que j'ai. Et je vais te dire là où j'ai eu ça. Mon père le prend et lui loge l'évangile. Parce que nous qui sommes en Christ, bien aimé, tu n'as pas besoin de le voir. Mais le feu est là.
Je te dis, le feu est là. Vouloir ou pas. Mais ceux qui sont de côté là, ils le voient. Mais nous, Dieu n'a pas besoin de nous les montrer. Même les anges qui nous gardent, Dieu n'a pas besoin de nous les montrer. Mais ils sont là. Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Tu les constateras seulement lorsque un accident va arriver dans ta vie et tu vas sortir sain et sauf. Pourquoi? Parce que avant que le diable mette la main sur toi, l'ange de l'Éternel t'a déjà tiré de là. Quelqu'un dit amen. Nous avons la grâce. Même s'il y a autour de nous toutes sortes de puissances, toutes sortes d'ennemis, bien aimé, ce n'est pas pour toi une raison de trembler ou de craindre ou de quitter l'endroit où tu es. Touche d'abord quelqu'un, dis-lui, sois là. Amen. Nous ne pouvons pas fuir, nous sommes là. Quelqu'un dit amen. Même dans ton voisinage, tu n'as pas besoin de connaître qui fait quoi, qui invoque qui. Des fois, nous entrons dans des endroits, vous sentez, si vous avez l'esprit connecté à Dieu, tu sens, tu entres dans un endroit, tu sens que cet endroit est sous l'oppression démoniaque. Certainement, peut-être par une odeur là bizarre, ça existe, je vous dis la vérité. Peut-être tu arrives à un endroit, bien aimé, quand tu vis avec Dieu, des fois, tu dois développer la façon que Dieu communique avec toi. Il y a des moments, nous entrons dans des endroits, je sens seulement soit un bourdonnement ou bien un petit mot de tête. Je sens que ici il y a un problème, l'endroit ici est hanté. Et je commence à invoquer ou je mets directement mon esprit en prière. C'est pourquoi là où tu vas, ne sois pas distrait dans ta vie. Il y a des problèmes, mais il y a aussi des grâces. Les problèmes, nous n'allons pas les enlever de ce monde. Comme disait un de mes pasteurs à l'époque, il dit, les problèmes, il y en aura aussi longtemps que l'Église sera sur la terre. Aussi longtemps que l'Église est sur la terre, il peut y avoir des problèmes. Aussi longtemps que le chrétien est sur la terre, il y aura des problèmes. Il le disait même bien en swahili, il dit, Kanisa ingari padunia. Amen. Quand le Kanisa est encore padunia. Ça veut dire quand l'Église est encore sur la terre, il y aura des problèmes. Mais les problèmes ne nous submergeront pas. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, les versets que nous avons lus, développent, bien aimé, un sujet que les chrétiens actuellement ont tendance à oublier, à ignorer, à mettre de côté. L'apôtre Paul parle de ce concept, de ce que je peux appeler ce midi la théologie de la substitution. Suivez-moi bien, si j'ai énuméré toutes ces choses, c'est pour arriver à ces points afin que nous comprenions. Il développe ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Il dit Christ, hein, Jésus-Christ a été fait pour nous. Christ a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire quoi la théologie de la substitution? Ça veut dire la théologie de quelqu'un, que Dieu bénisse la chorale. Vous avez chanté ça et ça m'a davantage confirmé le message de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous devons travailler en connexion spirituelle. Il a pris ma place. C'est ça la théologie de la substitution. Vous comprenez ça? C'est ça la théologie du remplacement. Ça veut dire que Christ prend ta place. Il faut que les chrétiens actuels comprennent cette vérité. Christ prend notre place. Il nous met de côté. Si c'était la malédiction, il te met de côté. Il dit, ok, toi, mets tes pieds ici. Moi, je prends ta malédiction. Alléluia. Si c'était un problème de combat, Christ te dit, mets-toi de côté. Moi, je prends ta place. Que celui qui veut t'avoir, qu'il m'aille d'abord moi. Ça, c'est le privilège que nous avons en Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. C'est la théologie de la substitution. Christ nous enlève, nous ôte de là où nous étions et lui, il nous remplace. Il nous prend, il nous met là où il était et lui se prend, il se met là où nous étions. Ça, moi, ça me rend, bien aimé, ça me rend bouillant. Quand je réalise que Christ a pris ma place, touche d'abord quelqu'un de lui, il a pris ma place. Ça, c'est prendre ta place, pas dans le sens où tu dois te fâcher, où tu dois pleurer, mais c'est prendre ta place dans le sens où tu dois être heureux et content. Ça veut dire qu'il prend ta place là où il y a toute attaque contre toi, ça ne devient plus ton attaque à toi, ça devient l'attaque de celui en qui tu es.
Celui qui t'attaque, attaque celui en qui tu es. Combien sont en Christ que je vois leurs mains? J'ai dit combien sont en Christ que je vois leurs mains? J'aimerais te dire aujourd'hui, Christ a déjà pris ta place. Qui t'attaque, attaque Jésus-Christ. Amen. Alors pourquoi devrais-tu avoir peur? Pourquoi devrais-tu t'inquiéter? Nous nous inquiétons parce que justement, nous ne comprenons pas ce que Christ est devenu pour nous. La Bible dit, si vous lisez quelque part, qu'il s'est fait malédiction pour que nous nous soyons bénédiction. Je lisais il y a un temps en arrière le verset qui, je pense, ça doit être 2 Corinthiens 8, 9 ou vice-versa. Mais le verset qui dit que Christ s'est fait pauvre du riche afin que nous nous soyons enrichis. C'est ça la substitution. C'est ça le remplacement. Aie ça dans ton cœur. Aie ça dans ta vie. Même quand tu dors, sache que moi je pars fermer les yeux. Christ dort à ma place. Et moi je prends sa place. Je prends son sommeil. Un sommeil céleste. Quelqu'un dit amen. Parce que Christ est avec toi. Il s'est substitué. Vous connaissez l'histoire d'Abraham avec le bélier? Vous connaissez l'histoire d'Abraham avec le bélier quand il devait offrir Isaac? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Abraham devrait offrir Isaac, Dieu lui a demandé, fais quoi? Va sur la montagne de Morija, va offrir là-bas ton fils, ton unique Isaac. Amen. Genèse, je pense, 22. Abraham s'éleva le matin et il prit Isaac. Ils sont partis, ils montaient là à la montagne. Ils arrivent à un endroit, Abraham laisse les serviteurs. Il continue le chemin avec Isaac. Il a dit à Isaac, nous allons offrir l'holocauste là-bas. Isaac, connaissant ce qui se faisait, il a posé la question à son père, n'est-ce pas? Il dit, mais père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau? Amen. Où est le bélier pour l'holocauste? Abraham lui répond, il dit, l'Éternel fera quoi? Il se pourvoira. Il monte, mais dans son cœur, il savait que la provision de Dieu, si je ne la trouve pas, je vais obéir à ce que Dieu m'a dit de faire, je le ferai. Il arrive, il fait, il bâtit l'holocauste, et il bâtit l'autel, et il prend Isaac, il le met là-bas, il le lie. Avant de plonger le couteau sur le fils. Alléluia. La théologie de la substitution, la théologie du remplacement est intervenue. Pour te dire, toi et moi, que nul ne pourra mettre la main sur toi. Il y a quelqu'un qui a déjà pris cette place-là. Il y a quelqu'un qui t'a déjà remplacé dans tout ce que tu peux traverser. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Il a dit, non, maintenant arrête. Abraham, je voulais seulement savoir si tu me crains. Mais regarde de côté. Oh, alléluia. Regarde à côté, Abraham. La Bible dit qu'Abraham a tourné les yeux. Il a vu quoi? Un bélier. Quelle joie. Il commence à délier Isaac. Il dit, papa, tout va bien. Ça va bien, mon fils. Ce que je t'avais dit là, c'était une prophétie. Amen. Hein? Dieu se pourvoira. Et exactement, l'Éternel est en train de se pourvoir. Il a ouvert. Il est allé, ils ont pris le bélier. Un bélier qui ne fouille pas, un bélier qui ne bouge pas, un bélier qui attend seulement qu'on le prenne. Un bélier qui ne va pas courir. Abraham est allé, il l'a pris, il l'a mis à l'holocauste. Parce que c'est le bélier qui représentait, c'est la préfiguration de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu, qui prend ta place. Tu devais mourir. Amen. Jésus-Christ est bon, merci. Tu devais mourir, tu étais condamné à mort, tu étais condamné. Les sorciers là de ton village, d'ailleurs, les gens qui craignent, si vous craignez la sorcellerie ou les magiciens ou le mysticisme ou quoi, Dieu t'a protégé, frère. Amen. Dieu nous a protégés. Moi, je suis allé déjà à mon village natal à l'époque, j'avais, je crois, 19 ans. Nous sommes allés avec mon jeune frère qui vient juste après moi parce qu'on allait. Nous avions grandi avec de bonnes manières. Notre oncle était décédé. Nous avons quitté la ville, donc le petit frère de mon père. Nous avons quitté la ville pour aller le pleurer dans son village natal. On arrive là-bas, on trouve un troupement de gens. Les enfants de tels sont venus. On arrive, nombreux sont des gens
qui viennent pour nous dire, attention, comme vous dites. Ça même notre mère nous l'avait dit. Amen. Quand vous allez là-bas, faites attention à la maison de tel. C'est vrai, non? Faites attention à la maison de tel là. Faites très attention. On arrive, tout le monde nous répète, hein? La même chose. Ok. Nous arrivons, moi et mon petit frère. Petit, mais loin. Amen. Oui, je vous dis, nous étions jeunes, mais loin. On arrive là, on a pleuré, tout ça, et puis on est assis. Un jour. Deuxième jour, les personnes qu'on nous disait là, il ne faut pas aller dans leur maison. Même les gens du village, attention. Ils viennent là nous saluer. Mon petit frère me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, sois calme, sois tranquille, qu'ils viennent, qu'ils nous disent bonjour. Ils sont venus, ils nous ont salués. On était contents avec eux, on causait, tout ça. Ils ont vu l'accueil, alors ils se sont dit, ah, les enfants de notre oncle tel, vraiment, ils sont bien, ils sont gentils. Quelques jours après, ils ont préparé comme un festin. Ils nous ont invités. Ils disent, vous pouvez venir chez nous aussi? Parce qu'ils nous ont vu allant ici, allant là-bas. Mon petit frère me dit, viens, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va aller. Il dit, mais maman avait dit, je dis, on part, qu'est-ce que ça va faire? Nous sommes allés, on est arrivés, ils ont mis la main, mangé une belle table à la manière du village, hein, avec toutes sortes de mets. Ils étaient là, nous regardant, ils disent, bon, nous avons voulu vous accueillir avec ça, toute la famille. Vous savez, dans les familles, là, il y a des clans, des enfants de tels, et aussi de leur côté. On est là assis. J'ai dit, bon, ça va, on va prier. On s'est mis à prier, on a prié. Normalement, quand vous avez des situations comme ça, ne soyez même pas agité. Ne pensez pas, non, non, prie normalement. On a prié, on a béni le Seigneur, on a béni leur maison, on a béni ses grands frères-là, ses cousins-là. On les a bénis, et puis on a fait quoi? On a mangé. Amen. Avec eux ensemble, ils étaient contents. Ils disent, vous nous avez guéris. Amen. Il dit, parce que la réputation que nous avons dans ce village, nous ne savons pas qu'est-ce que nous avons fait. Personne ne peut venir démontrer que nous lui avons fait ça, nous lui avons fait ça. C'est juste une réputation. Mais vous nous avez guéris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Parce que vous savez, des fois, par manque de sagesse, on met des fois des images sur les gens qu'ils n'ont pas réellement. Jusque-là, nous sommes là. Je suis au Canada, ils sont même venus au Canada. Si j'étais ensorcelé, je serais même ici. Parlons normalement. J'ai une femme, une bonne d'ailleurs. Amen. J'ai des enfants. Amen. Je suis en bonne santé. C'est une grâce. Amen. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est ensorcelé? Amen. Parce que j'ai en moi un système antimissile. Amen. J'ai en moi un système qu'il vienne par un chemin ou par un autre. Christ a déjà pris ma place. Bien-aimés, soyons des chrétiens forts et solides. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul exhorte cette église à la sagesse. Il dit, Christ est devenu notre sagesse. Il s'est fait sagesse pour nous. Vous savez, tous ces problèmes que nous avons énumérés se résument en un seul problème, ignorance. Aïe, aïe, aïe. Amen. J'aimerais que vous me compreniez. J'ai dit que tous ces problèmes que j'ai énumérés ici, pourquoi l'apôtre Paul peut dire que Christ est devenu notre sagesse? Parce qu'il a trouvé que tous les problèmes que cette église souffrait, s'il pouvait se résumer dans un premier mot, c'est ignorance. D'où la solution, c'est quoi? Sagesse. Je vais parler un peu de la sagesse. Vous voulez que je parle un peu de la sagesse? Mais je ne saurais pas terminer. Amen. Parce que le concept de sagesse est très vaste. Mais Dieu m'a aidé à les sélectionner en quelque chose qui peut nous être utile, dont je vais nous donner juste un seul point. Le titre de ce message, justice, sanctification, rédemption. Amen. Quelqu'un dit d'abord sagesse. Christ est devenu pour nous sagesse. Parce que tous ces problèmes que nous venons d'énumérer, jusqu'au mien, à ces petits témoignages, se résument en un seul, ignorance. L'antidote
pour l'ignorance, c'est la sagesse. Beaucoup de gens souffrent à cause de l'ignorance. Souffrent parce qu'il manque quoi? La sagesse. La sagesse, quand vous ne l'avez pas, elle va, vous allez causer des problèmes là où il n'y a pas. Tout d'abord, quelqu'un dit lui, sagesse. La sagesse, quand vous ne l'avez pas, même dans la famille, hein, vous allez avoir des problèmes. Papa, problème contre maman. Maman, problème contre les enfants, problème contre papa. Il vous manque juste une sagesse qui peut résoudre tous les problèmes que vous avez. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit encore sagesse. La sagesse, bien-aimé, les gens, les serviteurs, les théologiens l'ont tout simplement défini comme étant sagesse, c'est le fait de faire les choses comme Dieu ou l'application de la connaissance au bon endroit. Amen. Sagesse, c'est quoi? C'est application de la connaissance au bon endroit et au bon moment. Si tu sais appliquer une bonne connaissance au bon endroit et au bon moment, on va dire que tu es sage. Mais si tu ne sais pas appliquer la connaissance au bon endroit et au bon moment, bien aimé, tu auras des problèmes partout. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des problèmes partout. Application de la connaissance au bon endroit et au bon moment. En quoi consiste alors la sagesse? Ce que j'ai donné, c'est juste comme une définition. Je vais juste te donner un point, puis je vais m'arrêter parce que nous ne voulons pas aller au-delà du temps. En quoi consiste la sagesse? Premièrement, nous pouvons dire que la sagesse consiste en un langage agréable en tout et partout. Amen. J'ai dit, en quoi consiste la sagesse? Premièrement, la sagesse consiste en un langage agréable, en tout et partout. Langage agréable, il y a d'autres points, je vous dis que ça sera intéressant. Quand moi-même Dieu m'a enseigné ça, j'ai saisi ça, j'ai dit, oh Seigneur, ça c'est bon que nous partageons avec tes enfants. Quelqu'un dit amen. Nous définissons d'abord la sagesse comme étant l'application de la connaissance au bon endroit et au bon moment. Mais aussi, j'ai dit, elle consiste en ceci. Premièrement, un langage agréable en tout et partout. Lisons, avant de terminer, d'abord lisons, nous allons lire juste deux textes, deux versets. Colossiens chapitre 4, le verset 5. Colossiens chapitre 4, le verset 5 et 6. Et puis nous allons aller dans Proverbe 17 et je vais juste parler dans quelques deux ou trois minutes et je vais terminer. Je vais m'arrêter. Colossiens chapitre 4, verset 5 et 6 nous dit ceci. Vous avez trouvé? Elle nous dit ceci, Colossiens 4, 5 et 6. Conduisez-vous, vous avez vu ça? Conduisez-vous avec sagesse. Vous avez vu ça? Soulignez ces mots-là. Il dit, faites quoi? Conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et faites quoi? Rachetez le temps. Verset 6. Il dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est pourquoi je disais, nous n'avons pas que des problèmes, nous avons aussi... Ah, est-ce que vous êtes là? Nous n'avons pas que des problèmes, nous avons aussi des grâces. L'apôtre Paul, il dit ici que votre parole soit toujours, toujours, pas quelque temps, toujours accompagnée de grâces, assaisonnée de sel. Et l'assaisonnement n'est pas que pour les poissons et la viande. Aïe, 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 aïe. Et est-ce que c'est inventé? Vous n'avez pas vu ça? Donc tu peux même assaisonner tes paroles. Je ne sais pas si vous avez vu ça ou vous ne voyez. C'est moi celle qui voit ça. Ma soeur ne va pas assaisonner que les poulets. Ne va pas assaisonner que les poissons. La Bible te dit aussi que tu peux assaisonner tes paroles. C'est la sagesse.
La sagesse consiste à mettre l'assaisonnement. Citez-moi un peu quelques assaisonnements. Parce qu'ici, il n'a cité que le sel. Et il veut l'équipe magie. Aïe, 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 aïe. Les quoi? Les jerk chicken. Donc, tu peux même mettre les jerk chicken dans les paroles. Il dit assaisonner vos paroles. Quand tu sors là, mets un assaisonnement dans tes paroles. C'est un signe de la sagesse. Oh, quelqu'un dit amen. J'ai dit que quelqu'un dise encore amen bien. Si nous sommes d'accord, nous acclamons bien le Seigneur. Que votre parole soit assaisonnée de sel. Il dit, conduisez-vous avec sagesse. On découvre la sagesse dans notre manière de parler. Amen. Ça résout tant de problèmes. Comment parles-tu là où tu es? Comment parles-tu dans ta famille? Comment parles-tu au travail? Il y a d'autres problèmes, ils ne sont pas posés par les démons ou les sorciers. D'autres problèmes sont posés par ta parole qui n'a pas d'assaisonnement. Parole bien assaisonnée. C'est ça. Amen. J'ai dit bien, parole bien assaisonnée. Tu pèses tes mots. Tu tiens compte de qui est autour de toi avant de dire quelque chose. Parce que Christ a été fait sagesse pour nous. Ne parle pas pour parler. Parle en assaisonnant ta parole. Le Seigneur attend un assaisonnement. Que tu dises des choses qui édifient. Quelqu'un dit amen. Il dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La sagesse consiste, mes bien-aimés, à un langage agréable en tout et partout. Je vais, avant de terminer, lisons ce que, rapidement ce que Proverbe nous dit, Proverbe 17, 27. Proverbe 17, 27. Lisons un peu. Proverbe 17, 27 et 28. Il dit, celui qui retient ses paroles connaît la science. Ah, ah, ah. Amen. Il dit, celui qui retient ses paroles fait quoi? Connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Verset 28. L'insensé, même quand il s'était. Oh, lisons ces versets. Il dit, l'insensé, même quand il s'était. Et l'insensé, quand il s'était, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Il dit que l'insensé, quand il s'était, il passe pour un homme sage. Parce que si je vois que non, ici, ma parole ne va pas être assaisonnée de sel, je m'étais. Il y avait un professeur en théologie quelque part qui nous disait qu'il y a des moments. Nous aimons beaucoup parler. Tu pars visiter quelqu'un qui est dans un état critique des maladies, par exemple, il est à l'hôpital. Bien-aimé, tu n'es pas obligé de dire un mot partout. Amen. Tu n'es pas obligé d'arriver partout, tu as une parole. Tu arrives là, qui t'a fait comme ça? Ah, le monde est méchant. Non, 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 non. Oh. Tu vas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Amen. Si tu n'as rien à dire, fais quoi? Regarde seulement. Il y a beaucoup de gens qui se créent. Dieu vous aime. C'est pourquoi il nous envoie une telle parole. Il y a beaucoup de gens qui se créent des problèmes pour rien. Parce qu'une parole n'est pas assaisonnée. Amen. Je vais terminer par une histoire que j'avais lue il y a un temps en arrière. J'avais lu une histoire d'un pasteur qui visitait souvent une famille. Amen. Un pasteur visitait souvent une famille et il aimait beaucoup cette famille parce que c'était sur sa route. En passant, ils sont là, il les arrête, il entre, il les salue, il prie avec eux. Et en sortant, l'homme de la maison lui donnait toujours quelque chose. Il lui donne peut-être l'argent pour les transports, il lui donne peut-être un bien, des choses comme ça. Il part. Mais quand il partait, ils avaient un garçon de 3 ans, 3 ou 4 ans. Quand le pasteur partait, le frère là de la maison, il parlait. Vous comprenez ça?
Le pasteur vient, ils sont contents, on l'accueille bien. Oh, pasteur, tout ça. Hein. Il prie. À la fin, il sort un peu d'argent. Il donne à l'homme de Dieu. Le pasteur part. Demain, il revient encore. Mais quand il part, le papa restait, il disait, ça, c'est le plus misérable des pasteurs que je n'ai jamais vu. Le pasteur s'en va. Demain encore, le pasteur va venir. Et ils se saluent, ils sont contents. Le pasteur prie avant de partir. Maman prend un bon colis, il fait quoi? Il donne. Le pasteur, dès qu'il est parti, le papa reste. Il dit, ça c'est vraiment le plus misérable des pasteurs que je n'ai jamais vu. Le petit garçon faisait quoi? Écoutez. Alors, un jour, le pasteur vient. Après qu'ils aient prié, l'enfant vient. Il dit, toi, tu es le pasteur le plus misérable que papa n'a jamais vu, hein? Alors, le papa, quand il a entendu ça, il dit, hey, quel or! Il dit, mais papa, c'est comme ça que tu dis, non? Toi, tu es le plus misérable des pasteurs que papa n'a jamais vu. Amen. Le pasteur était brisé, démoli. Est-ce que là, vous pouvez imaginer que l'enfant est en train de tromper? C'est Dieu qui voulait enseigner à cet homme-là, on ne joue pas comme ça avec mes serviteurs, je vais t'exposer. Ce qu'on peut dire même dans la cachette peut être crié, même par la bouche des enfants. L'homme de Dieu a compris directement à partir de ce moment-là. Donc c'est ce que cet homme dit quand je tourne le dos. Et depuis lors, c'est touchant, non? J'avais lu ça dans un livre et ça m'avait beaucoup touché. Et merci Saint-Esprit de me ramener ça aujourd'hui ici. Amen. La sagesse consiste en un langage agréable en tout et partout. Parce que Christ a été fait pour nous quoi? Sagesse. Amen. Nous continuerons la fois passée. Que Dieu bénisse la fois prochaine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.